monde, donc j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo haul bébé. Oui, je sais, j'ai encore craqué, mais là c'est principalement pyjama, body, il y a quelques vêtements, il y a un manteau, il y a deux paires de chaussures, il y a des vêtements d'occasion aussi que je vais vous montrer. Et bah voilà, il y a quand même quelques petits trucs quoi, donc je voulais vous montrer tout ça parce qu'il y a des bonnes affaires. Donc je sais pas du tout quand je vais mettre cette vidéo, mais en tout cas j'ai acheté ça en mode bonnes affaires. Donc je sais pas du tout si ça sera encore en promo, donc n'hésitez pas à aller voir sur les sites ou en magasin, voir si la promo y est encore. Donc j'ai été en premier temps, enfin non, j'ai commandé en premier temps chez Tape à l'œil lors des dernières promos. Donc tout était à moins 60%, j'ai fait une commande de 5 articles. Il me semble. Au final, il m'en reste plus qu'un. Parce que j'ai fait une e-réservation. Donc ça, c'est plutôt pas mal. En fait, on commande les articles sur le site. On ne paye pas. On les paye qu'une fois arrivé en magasin. Et en magasin, on regarde vraiment ce qui nous plaît. Donc heureusement, parce que j'ai rendu 3 articles. J'en ai gardé 2. Et c'était une petite combinaison que j'adorais. C'était un taille 3 mois. Malheureusement c'est vraiment très mal taillé chez Tape à l'œil parce que elle commence tout juste le 3 mois, donc si vous voulez le 3 mois est encore un petit peu grand. Et là honnêtement c'était, enfin de toute façon je l'ai vu directement en magasin, mais comme je l'adorais tellement j'ai préféré quand même aller l'essayer sur ma fille. Mais comme je m'y attendais, ça ne, c'était trop petit. Donc Tape à l'œil ça taille vraiment petit, enfin moi je trouve que ça taille petit. Donc du coup bah voilà, j'ai dû la ramener en magasin et c'était la dernière taille en 3 mois, donc voilà. C'est trop dommage parce qu'elle est très juste magnifique cette combinaison. Donc du coup en vêtements que j'ai commandé sur le site en e-réservation, il ne me reste plus que ce petit short là que j'ai dû payer 4-5 € à tout casser. Donc c'est une taille 6 mois. À la base c'était un short qui coûtait 12,99 €, donc j'ai dû le payer 4 € et quelques. Ouais. Donc ça valait vraiment le coup. Hein. Donc voilà. J'aimais beaucoup la couleur, je trouve que ça change un petit peu de ce qu'on trouve d'habitude, le petit vert canard comme ça. Donc il y a 2 petits boutons avec un petit cœur sur chaque bouton, il est marqué Mad Witch Love. Voilà, donc ça avec un petit collant et des petites chaussettes hautes ou des petites chaussettes hautes, en bref. Je verrai bien pour l'instant, le 6 mois, elle en est loin encore hein, parce qu'on commence juste le 3 mois. Mais voilà, j'ai craqué dessus et la couleur changeait beaucoup. Et une fois en magasin, j'ai acheté les bandeaux de la nouvelle collection, sauf un parce que j'aimais pas du tout. Donc j'ai pris celui-ci. Donc celui-ci, je l'ai vu qu'en une seule couleur, mais il me semble que sur le site, je l'ai vu en une autre couleur. Donc c'est le moutarde. J'adore le moutarde. En plus, le moutarde lui va super bien. Donc voilà, je lui ai pris celui-ci qui est au prix de 3,99 €. Et j'ai pris un petit rose comme ceci, à paillettes argentées. Et qui est comme ceci. Voilà, j'adorais. Pareil, 3,99 €. Donc c'est pas pour tout de suite parce qu'ils sont quand même un peu grands. Surtout qu'elle a un petit périmètre crânien. Elle est en bas de la courbe. Donc du coup, c'est trop grand. C'est marqué 3-6 mois, mais c'est encore trop grand. Donc c'est pas grave. Ça servira toujours parce que j'adore lui mettre des bandeaux. Et elle ne dit rien, donc j'en profite. Ensuite sur Vinted, donc c'est des vêtements d'occasion qu'on achète sur Vinted, c'est une application où je crois qu'on peut maintenant y aller via l'ordinateur, via internet sur votre PC quoi. Mais sinon moi c'est l'application que j'utilise et j'ai acheté 2 petits t-shirts Burberry, donc celui-ci c'est un taille 6 mois et Burberry taille grand puisque là j'ai un haut Burberry aussi que j'ai acheté à Valley Village. En 3 mois et je lui ai mis hier et c'était vraiment très très grand. Donc c'était assez des grands 6 mois, des grands 3 mois, tout ce que vous voulez. Donc là j'en suis super satisfaite, je l'ai payé pas excessivement cher, je crois une 15aine d'euros. Donc il est tout blanc et en fait sur les petites manches, voilà, vous avez le petit détail Burberry. Voilà, c'est vraiment tout simple et le niveau prix pour moi ça m'allait. Donc du coup voilà. Et j'ai acheté celui-ci en taille 9 mois, donc qui est rose-rouge, avec les petites épaulettes, donc Burberry. Voilà, et celui-ci c'est une taille 9 mois. Donc si ça vous intéresse, j'ai fait un vide-dressing sur Instagram, c'est Anaë vide-dressing. De toute façon, je vous mets le lien du Instagram normal et du Instagram vide-dressing de Anaë, puisque vous pouvez retrouver des petits looks, des bonnes promos, par exemple la promo sur... sur Auchan et Footlocker, je l'ai partagé sur Truc de Filles et sur Mademoiselle Anaë.
Donc n'hésitez pas à m'y retrouver parce que c'est vrai que je partage beaucoup les codes promo, les promotions qu'on se partage entre nous et que je trouve, les codes promo que j'ai, enfin voilà, c'est, je partage tout et j'ai fait un vide dressing puisqu'elle a terminé le 1 mois, hein, le 1 mois est trop petit. Donc du coup j'ai mis pas mal de choses en vente, il y a une autre vente qui va arriver et il reste un pyjama à naissance, quelques petits trucs en 1 mois et j'ai mis quelques petites paires de chaussures et un... un ensemble Kenzo, pas très très cher, authentique et neuf, qu'on nous a offert mais qui est violet et mon chéri et moi on déteste le violet et je trouve que ça lui va pas du tout non plus, donc du coup on l'a mis à vendre. Donc voilà, n'hésitez pas à m'y rejoindre, de toute façon c'est tout en barre d'informations. Donc voilà pour les petits vêtements Vinted. Donc j'achète beaucoup sur Vinted au niveau du Burberry, tout ça. Kenzo aussi, j'ai acheté un ou deux pulls. Donc voilà, n'hésitez pas à m'y rejoindre parce que ces petits hauts-là, quand ça lui ira plus, ils vont rejoindre le vide dressing et à moins cher. Donc pour celles qui aiment bien la marque mais pas mettre trop cher, je vous y invite. Donc ensuite sur Footlocker, j'ai acheté deux paires de chaussures. Donc je sais, elle n'en a pas encore assez, hein, mais je suis une fan de chaussures. Donc quand c'est pour moi, bah, c'est aussi pour ma fille. Donc là c'était une bonne promo, donc c'est une fille qui est sur Instagram qui a fait partager cette promo. Donc il y a beaucoup de baskets bébés qui était à 19,99€ sur le site internet, parce qu'en magasin, honnêtement, je n'ai pas été voir. Et bah du coup, j'ai sauté dessus. Hein. Je pense qu'on a été extrêmement nombreuses, parce que moi, je l'ai partagé sur Truc de Fille, je l'ai partagé sur Mademoiselle Anaï. Et moi, j'ai acheté, donc du coup, je pense qu'on a été très très nombreuses, parce que les tailles sont parties à une vitesse, j'ai pas pu acheter tout ce que je voulais. Mais c'est pas grave, vous allez me dire, ça suffit très bien. Donc pour ces deux paires-là, j'en ai eu pour 43€ ou 46€, frais de port compris, en sachant que les frais de port sont au... prix de 7€. Donc en fait chaque paire de chaussures coûtait 19,99€, donc ça valait extrêmement le coup. Donc quand j'ai été à Plaisir, je voulais acheter cette petite paire de chaussures, donc c'était des Nike qui étaient soldées à 27€ et heureusement je les ai pas achetées parce que je les ai payées 19,99€. Donc c'est une taille 17, c'est encore trop grand pour mon bébé, hein. Honnêtement il n'y a aucune paire de chaussures qui lui vont à part les... enfin, si, il y en a une, je suis mauvaise langue. Il y en a une, c'est une paire de Zara qui lui vont. Honnêtement, sinon tout est encore trop trop grand. Hein. Le 15-16 c'est encore trop grand. Donc du coup, ça sera pour plus tard, mais c'est pas très grave. Hein. Je sais qu'elle va me les mettre. Donc là, c'est une taille 17. Hein. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut bien mettre le pied de bébé. Quoi. Tout souffle très très bien. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Et je les adore. Honnêtement, je les adore. Depuis le temps que je les cherchais, j'ai regardé sur les vide-dressing, etc. Mais elles sont vendues exactement au même prix que je les ai achetées et moi elles sont neuves. Donc voilà, 19,99€, ça vaut vraiment le coup. Je pense que la promo sera encore en cours, donc n'hésitez pas à y aller. Après je suis pas certaine qu'il reste beaucoup de taille, honnêtement. Et j'ai pris une taille 20 en Adidas, donc j'aurais dû prendre 21, mais bon c'est pas grave, hein. Voilà, au lieu de 54,99€, je les ai payées également 19,99€ et c'est exactement les mêmes que moi. Elles sont comme ceci, toutes rouges. Donc je pense que je vais les customiser comme les miennes. Je pense que je vais lui mettre des paillettes au niveau des trois rayures de Adidas et derrière. Donc je vais pas le faire maintenant parce qu'elle va pas me mettre du vin immédiatement. Mais je pense que je lui ferai faire une personnalisation de chaussures. Que je ferai moi-même parce que j'ai acheté la colle et les strass. Mais je pense que je vais lui faire ça. Donc voilà, franchement au niveau des baskets sur Footlocker, après rayon adulte j'ai été voir mais il n'y avait pas des grosses promos et honnêtement il n'y avait pas les chaussures que j'aimais bien. Mais au niveau des enfants, j'ai fait mon affaire et j'aurais pu faire encore plus d'affaires s'il restait beaucoup de taille. Mais heureusement pour moi et mon porte-monnaie, il ne restait plus que ces deux paires de chaussures là qui m'intéressaient. Ensuite, je vais faire l'autre truc en dernier parce que l'autre truc il y a énormément de choses. Enfin, au champ il y a énormément de choses. Donc chez Okaidi, pareil, j'ai profité des dernières promos. J'ai acheté ce petit haut là. Donc ce petit haut là n'était pas du tout en sol, mais c'est un haut que je lui ai mis beaucoup de fois en un mois. Donc là, je lui ai racheté en 3 mois. Donc il coûtait 5,99€. Et c'est un haut blanc tout simple avec un petit col closing comme ceci. Voilà, vraiment tout simple, mais je trouve qu'avec un petit jean ou là elle a un petit pantalon gris tout simple et je sais pas du tout avec quoi le mettre, donc du coup là voilà, je vais pouvoir lui mettre son petit haut blanc en sachant qu'il taille vraiment très très grand parce que le 1 mois lui va encore, donc il taille vraiment très grand, donc ça je lui rachèterai je pense à chaque taille, hein.
Et celui-ci, je vous l'ai déjà présenté, mais je l'ai trouvé en taille 3 mois. Et franchement, c'est un coup de cœur ce pyjama-là. Donc, bien sûr, on l'a racheté. Donc, c'est celui-ci de chez Okadi avec le petit signe qui est un petit tutu que j'adore et une petite couronne. Il est juste magnifique. Donc, ça va lui aller en ce moment. Donc, je vais vite le laver et vite lui mettre dans son armoire qu'elle en profite un maximum. Mais je le trouve juste magnifique. Et on l'a payé. Enfin, à la base, il est à 14,99. Il est à 20%, donc on l'a dû payer 14 euros encore. Mais bon, là, il est à 50% en ce moment si ça vous intéresse sur Okaidi. Il est juste magnifique. Et vu que le 6 mois, ça va lui aller encore, il fait encore un peu frais. On n'est pas dans une région où il fait beau des mois d'avril. Donc, du coup, j'ai préféré lui prendre un autre manteau. Et en même temps, il était à moins 60, à moins 50%, pardon. Et c'était le dernier. Donc du coup je me suis dit je vais lui prendre, on sait jamais, s'il lui faut quand même un manteau pendant les 6 mois. Donc là elle en a un Burberry vraiment très très beau qui tient extrêmement chaud parce que ça sert à rien. Enfin honnêtement je lui mets le body et un petit haut comme ça et le manteau ça suffit grandement, elle transpire. Donc il est vraiment très très chaud. Bien sûr il sera en vente pour celles que ça intéresse bien sûr sur Anna et Vide Dressing quand ça ne lui ira plus. Mais sinon en taille 6 mois j'ai pris celui-ci de chez Okaidi qui est juste magnifique. Donc il est bien bien chaud. Moumouté, voilà, il est magnifique. Il y a un petit rose poudré comme ceci, avec les petits boutons. Il est vraiment magnifique et il va tenir extrêmement chaud aussi celui-ci. Mais voilà, et on l'a payé 15 euros au lieu de 34,99. Donc ça fait pas cher du tout pour un petit manteau. Voilà, j'ai craqué, mais il est vraiment très très beau. Et je pense que j'ai bien fait parce que. Au mois d'avril, il fait pas souvent souvent beau ici. Donc voilà pour chez Okaidi. Chez Orchestra, il n'y a que ça, il me semble, mais c'est déjà pas mal parce que c'est la nouvelle collection. Donc ma soeur a acheté ça à la petite. Donc c'est du taille. C'est du taille. C'est une taille 9 mois. Et donc sans la carte 23 et avec la carte 11 euros. Et c'est juste magnifique. C'est une robe, elle est juste magnifique. Elle est comme ceci. Donc c'est un petit peu couleur pêche et blanc. Avec le petit nœud, voilà, elle est comme ceci, avec des petites poches et des petits boutons, et dans le dos, hop, on enlève l'étiquette, elle est comme ceci, enfin voilà, elle est juste magnifique. De toute façon, si vous voulez voir des looks bébés, etc., n'hésitez pas à me rejoindre sur Anae, Mademoiselle Anae, puisque je fais souvent des petits looks bébés. Et ensuite, chez Auchan, comment vous dire que on a craqué notre slip, ma soeur, ma mère et moi. Pour la petite parce qu'on a fait le plein de pyjamas et de body et quelques petites tenues et deux robes de chambre parce que ça valait vraiment le coup. Donc les trois bodys sont à 5,99€ et on est au niveau des pyjamas, donc je vous montrerai lesquels hein. Il y en avait un acheté, un gratuit, donc autant vous dire qu'on en a profité. Donc au niveau de la robe de chambre, je vais prendre dans l'ordre hein. Au niveau de la robe de chambre, j'en ai pris une comme ceci, donc c'est pour l'année prochaine, c'est pas pour maintenant. Honnêtement, elle aura ses deux robes de chambre pour l'année prochaine. Mais oh, enfin, on a craqué quoi. C'est du 24-36 mois. On l'a payé 9,99€. Donc voilà, je pense que ça lui ira l'année prochaine, même si on retrousse les manches, c'est pas très grave, c'est une robe de chambre quoi. Donc elle est blanche avec des petits cœurs rose poudré comme ceci. Et regardez la petite capuche. Franchement, c'est pas trop mignon? Elle va être trop trop mignonne là-dedans. Et chez nous l'hiver c'est soit il fait chaud soit il fait froid. Enfin au niveau de l'intérieur du logement. Donc voilà. Mais enfin sauf si on a déménagé entre temps. Parce qu'on cherche une maison en ce moment. Mais voilà c'est, elle est juste trop trop mignonne. Voilà j'ai craqué pour ça. Et au niveau des pyjamas. Comme je vous ai dit il y en avait un acheté. Un offert. Donc du coup on a profité. Il est où le offert? Il est là. Donc, je vous mens pas, hein, je vais vous faire voir l'étiquette. Acheter le deuxième gratuit, en sachant qu'un pyjama c'était 6,99€. Donc voilà, c'était vraiment raisonnable. Et du coup, j'ai fait le plein, hein, j'ai pris de toutes les tailles. Hein. Là, j'ai pris du 12 mois. Donc, il est vert d'eau avec une petite licorne. Donc, vous allez voir que dans le hall au champ, ce n'est que des licornes. Donc voilà, mais franchement, ils sont pas juste magnifiques.
Donc voilà, et s'attache par derrière. Donc ça, comme je vous ai dit, c'est une grande taille, hein. C'est 9 mois comme je vous ai dit. Non, 12 mois. Voilà, ça lui ira sûrement l'hiver prochain. Et bien sûr, un gratuit. Donc j'ai pris celui-ci, pareil, en taille 12 mois. Donc avec des petites étoiles roses et un petit nuage. Voilà. Ça me fait bizarre de voir des grands pyjamas. Ensuite, j'ai repris le même, mais en taille 6 mois. Voilà. Comme ceci. J'ai vraiment craqué sur ce pyjama-là. Et le pyjama gratuit, j'ai pris celui-ci en taille 9, il me semble. Ouais, 9 mois. Donc il est blanc avec plein de petits arcs-en-ciel et de petits nuages et de petites étoiles. Voilà. Donc voilà, ça valait vraiment le coup. Après, ce n'est pas une qualité franchement tip-top. C'est sûr, ça vaut pas un pyjama à 17 euros comme elle en a. Mais honnêtement, vu le prix, voilà, ça suffit grandement. Ce sont que des pyjamas. Ensuite, un pyjama qui était dans le rayon et non dans les promos bébés. Parce que les autres pyjamas, je les ai trouvés dans le centre du magasin. Et celui-ci, je l'ai trouvé dans le rayon même. Donc, c'est celui-ci que j'adore également. Je vais essayer de vous mettre correctement, que vous le voyez quand même. Voilà. Donc, celui-ci est plus coloré, mais voilà, j'adore. J'espère qu'elle va aimer les licornes parce que là, elle va être servie avec moi. Donc, c'est du 80 cm. Et c'est du taille 12 mois également. Je pense qu'en pyjama 12 mois, on est plein. Hein. Enfin, vous me direz, elle va salir plus vu qu'elle va manger. Donc. On verra bien. Voilà. Et il est en deux pièces et avec les pieds celui-ci. Et celui-ci, pardon, je ne vous ai pas dit le prix parce que celui-ci, c'est pas à acheter, à offert. Celui-ci, 7,99€. Donc vous voyez que les prix sont vraiment très raisonnables. En body, j'ai pris celui-ci, manche courte en taille 9 mois pour cet été. Parce que si elle traîne en body, autant que les body soient mignons. Hein. Donc, et niveau body, ça valait vraiment le coup parce que les 3, c'est 5,99€. Donc toujours avec ma petite licorne, un gris avec les petits nuages et un blanc avec marqué Little Unicorn avec des petits cœurs. Il est trop mignon également. Et j'ai pris des manches courtes. Donc voilà, 5,99€ les trois. Ensuite, j'ai pris une autre robe de chambre, donc couleur vert d'eau, donc toute simple vert d'eau. Sauf que là, c'est une tête de licorne. Voilà. C'est juste trop mignon. J'aimerais bien lui trouver, pas tout de suite parce que on. Pas tout de suite quoi. Parce que j'attends d'avoir un coup de cœur. J'attends de lui trouver un petit porte-manteau tout mignon pour lui mettre ses sur-pyjamas et ses petites robes de chambre. Comme ça sera rangé correctement parce que sinon je sais pas du tout où je vais mettre ça. Ensuite, toujours dans les promos bébés, mais pareil, celui-ci n'était pas un acheté, un offert, mais le prix, écoutez. 5,49€ le pyjama. Et là, c'est maman qui l'a acheté. Il coûte, c'est une taille 18 mois. Et c'est un deux pièces. Donc là, c'est le rose comme ceci. Et le pyjama sans pied par contre. Donc il faudra que je lui mette des chaussettes. Enfin, je verrai bien. Voilà. Donc voilà. Et j'ai pris un petit vêtement. Pareil, hein, tout est chez Auchan. Hein. J'ai pris des petits vêtements, donc j'ai pris une taille 12 mois, 9,99€, donc pareil, hein, il y a un legging, c'est une robe compris dedans, donc niveau prix ça vaut le coup. Donc au niveau de la robe, elle est bleu marine avec un petit nuage, vous savez très bien que je suis amoureuse des licornes, des nuages. Je suis complètement fan de tout ça, donc là franchement à Auchan c'était le paradis pour moi. Donc là c'était un petit vêtement et il y a le petit leggings. Voilà, je trouvais ça super mignon pour l'année prochaine. J'ai racheté encore les mêmes body, mais à taille manche longue pour l'année prochaine, en taille 18 mois. Voilà, c'est exactement les mêmes, hein. Je vais pouvoir vous les montrer. Hein. Vous savez qu'il y a le blanc avec une licorne, le nuage et la licorne. Ensuite, j'ai pris d'autres pyjamas pour cet été en taille 9 mois. Et toujours 5,99€. J'ai pris le rose avec le petit nuage. Là, cette fois-ci, il est blanc avec les arcs-en-ciel. Et il y a celui-ci. Celui-ci, je ne l'avais même pas vu. Voilà. Au niveau prix, franchement, au niveau des body, j'ai fait la rasée parce que ça coûte vraiment très cher sinon les body. Hein.
Au niveau des bavoirs, parce que mademoiselle va dans un ou dans 2-3 mois plutôt manger. Donc j'ai pris des bavoirs et les bavoirs, il n'y a pas le prix dessus, mais il me semble que c'était 1 ou 2 euros. Donc j'ai pris des bavoirs, donc la licorne avec, donc celui-là est moins beau mais bon, les nuages, celui-là est moins beau. Mais bon c'est pas grave, avec la purée de carottes ou une purée qui va tâcher, ça se verra, il sera, enfin, c'est les bavoirs, ça dure pas excessivement longtemps. Et celui-ci, je l'avais déjà, d'ailleurs il est en vente sur Anae Vidressing. Pas de la même couleur, mais il est en vente à 3€. Donc ça coûte 6,99€. Donc là, je l'ai pris en taille 6 mois. Parce que j'ai pas trop de pyjama chaud en 6 mois. Donc j'en voulais quand même quelques-uns. Et il est magnifique. Il est pêche avec le petit nuage. Enfin, deux petits nuages. Des petites étoiles. Voilà, il est juste magnifique. J'ai exactement le même à vendre en gris avec tous les contours roses. Donc n'hésitez pas à y aller en 3€. Celle que ça intéresse. Et je lui ai pris une petite paire de chaussons en taille 18 qui est à 3,99€. J'espère que j'ai bien fait. On verra bien. De toute façon, pour le prix 3,99€, si c'est pas utilisé par ma choupette, ça sera en vente sur Anae Vidressing à moins cher, bien sûr. Voilà. Ou au même prix, mes frais de port compris. Donc ils sont comme ceci. Il n'y avait pas les licornes. Trop dommage. J'aurais pris les licornes sinon. Mais il y avait les petits nuages comme ça, rose. Voilà. Et si elle veut commencer à faire du 4 pattes, à surlever, etc. Voilà, j'ai préféré prendre avec une semelle souple. Et j'ai vu que... enfin, j'ai commandé d'autres chaussons avec une semelle moins souple. Enfin, moins dure. Une semelle souple, pas dure. Je vais y arriver. Donc, voilà pour le haul bébé. Comme vous pouvez voir, j'ai acheté beaucoup de tout ce qui est pyjama, etc. Mais au niveau des prix, ça valait vraiment le coup. Parce que pour moi, mettre 17€ dans un pyjama, c'est énorme. Surtout qu'il n'est pas ça extrêmement longtemps. Bon, il y en a quelques-uns qui coûtent ce prix-là. Mais je pense que voilà, quand il fera du 4 pattes, etc., je pense que là, les pyjamas ne vont pas durer vraiment longtemps. Donc voilà, ça ne sert à rien qu'on se ruine dans des pyjamas. Donc écoutez, j'espère quand même que ce petit haul vous a plu. N'hésitez pas à interagir avec moi, à mettre des petits commentaires si vous avez trouvé aussi la promo Footlocker, la promo Auchan, etc. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc voilà, je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!